Avec 5 récompenses, le film Oppenheimer est le grand gagnant de la cérémonie des Golden Globes qui s'est tenue dimanche à Los Angeles. Le biopic de Christopher Nolan a reçu notamment les prix du meilleur réalisateur, du meilleur film dramatique et du meilleur acteur dans un premier rôle pour Cillian Murphy. Malgré un succès mondial au box-office, le film Barbie, qui faisait pourtant partie des favoris avec 9 nominations, n'a remporté que 2 Golden Globes secondaires, celui du meilleur succès commercial et celui de la meilleure chanson. Anatomie d'une chute, qui avait reçu la Palme d'Or à Cannes, a été doublement récompensée lors des Golden Globes. Le film français de la réalisatrice Justine Triet a reçu les prix du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère. Un triomphe, alors qu'en France, il n'a pas été choisi pour représenter le pays aux Oscars le 10 mars. Thank you for being yourself, just a dog. Pour le petit écran, c'est Succession qui a été la grande gagnante de la soirée avec 3 récompenses, dont le Golden Globe de la meilleure série dramatique. Les Golden Globes sont considérés comme une étape importante avant les Oscars, cérémonie la plus prestigieuse d'Hollywood. To the